Merci Madame la Maire. Bonjour Madame la Maire. Bonjour, ça va Madame? Bonjour. C'est un plaisir de vous saluer. Et la jeunesse est là aussi. Voilà. Oui, il est là. L'ambassadrice représentante de la Commission européenne, Valérie Drézé-Humez. Bienvenue, je vais laisser la parole pour commencer à monsieur le Premier ministre PDG de la RATP. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bonjour. Je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde à cette inauguration et je pense que c'est parfaitement justifié parce que c'est un moment populaire, c'est un grand service public qui se prolonge, qui s'étend aujourd'hui, qui est fait pour vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs. Et il est heureux que vous soyez là en ce moment symbolique et solennel. Vous me permettrez évidemment d'accueillir nos invités, monsieur le ministre délégué au transport, madame la représentante du préfet de la région Île-de-France, madame la maire de Paris, Chérane, madame la présidente de région, présidente d'Île-de-France Mobilité, chère Valérie, messieurs les maires du 16e arrondissement où nous nous trouvons, du 17e arrondissement d'où nous sommes tout à l'heure partis avec l'arabe inaugural et madame la représentante de la Commission européenne. Quelques mots simplement pour vous dire, mesdames et messieurs, combien le groupe RATP, que j'ai l'honneur de représenter ce matin, est heureux de cet événement, je le répète, extrêmement important pour vous. Vous savez de quoi il s'agit, donc du prolongement de la ligne de tramway T3B sur très précisément 3 km 200, 7 stations nouvelles, de la porte d'Anières, très précisément station Marguerite Long, à ici la porte Dauphine, ce qui me donne l'occasion de saluer le président de l'université avec un passage remarqué par la porte Maillot, et tout ça en 15 minutes de trajet. La première chose que je tiens à souligner, vous le comprendrez, c'est que toutes nos équipes, c'est un chantier en co-maîtrise d'ouvrage avec la ville de Paris, je suppose que madame la maire y reviendra, mais nous avons tenu les délais et le budget. Il faut quand même le dire, hein, parce que on se fait suffisamment engueuler quand ce n'est pas le cas, qu'on peut le rappeler quand c'est le cas, ce qui est l'occasion de vous rappeler que le prolongement du 3B jusqu'ici fait aussi partie des engagements que nous avions pris à l'occasion de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, et que donc, là encore, pour cette échéance, nous serons au rendez-vous. Vous savez, cette ligne, elle est structurante pour ce territoire, elle va être en correspondance avec le RERC, avec le RERE, autre et prochaine inauguration, puisqu'il atteindra prochainement la porte Maillot, et puis les lignes 1, 2 et 3 du métro historique. Je rappelle également que cet équipement sera précisément utile pour les Jeux, desserte de l'Adidas Arena. Ici arriveront un nombre élevé pendant les Jeux de navettes de bus en provenance du Parc des Princes, de Jean-Bouin, de Roland-Garros pour soulager l'offre de transport organisée là-bas, donc en correspondance avec le T3B. Et puis, bien entendu, un peu plus loin, cette ligne desservira aussi le parc de la Villette, où il y aura là aussi notamment des médias qui seront organisés pour les Jeux. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui est un moment important pour nous. Nous passons du mode projet, c'est-à-dire de la construction, au mode exploitation. Ça veut dire que la RATP, sur financement d'Île-de-France Mobilité, a dû recruter 50 conducteurs supplémentaires pour faire ce trajet et mettre en service 9 rames de plus pour parcourir ce trajet. Je voudrais évidemment, à ce stade de mon propos, adresser tous mes remerciements. D'abord
aux nombreux riverains qui sont là parce que nous avons les uns et les autres ici parfaitement conscience de toutes les gênes, de toutes les difficultés que ces travaux occasionnent régulièrement. Nous avons essayé, tous les partenaires ici réunis, unis, de les gérer au mieux, à votre écoute, en permanence. Maintenant c'est terminé, c'est derrière nous, il n'y a que le meilleur devant nous. Mes remerciements aussi aux équipes partenariales, je l'ai dit, aux équipes de la RATP, vous le comprendrez en particulier, qui se sont mobilisées en permanence et d'arrache-pied pour être à l'heure et surtout pour vous livrer du bel ouvrage et pour vous rendre un bon service. L'inauguration, plus exactement le prolongement du T3B me donne pour finir, mesdames et messieurs, l'occasion, évidemment, dans la place qui est la mienne, de rendre un hommage particulier aux mobilités collectives et en particulier à ce mode qu'est le tramway, qui est plébiscité, sachez-le, par les Parisiens et par les Franciliens, qui est plébiscité. Voilà. Sachez que ce prolongement qu'on va mettre en service dans un instant, il va accueillir 55 000 passagers par jour de plus, si bien que l'ensemble de la ligne va franchir le cap symbolique des 300 000 passagers jour, et que l'ensemble des réseaux tram exploités par le groupe RATP dépassera le 1 100 000 voyageurs jour. 1 100 000 voyageurs sur les tramways demain matin ou cet après-midi. Juste un seul chiffre, en 2006, c'est vieux sans l'être, en 2006, il n'était que 230 000. C'est-à-dire, si à l'initiative des autorités publiques, des lignes ont été inaugurées ou successivement prolongées. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ajoute, et en particulier sous le contrôle de Valérie Pécresse, que le tramway a un taux de régularité et de fiabilité proche de 100%. C'est sans doute de tous nos modes de transport le plus efficient et le plus régulier. Donc, c'est un investissement extrêmement important. Je vous rappelle que ce T3, il fait le grand tour de Paris, si je puis m'exprimer. Il a commencé avec le T3A en 2006 et le T3B lui-même, donc en partie nord, avec la première section Porte de Vincennes, Porte de la Chapelle, a été inauguré en 2012. C'est un très bon choix, ce retour du tramway. Je vous rappelle à toutes et à tous que Paris et l'Île-de-France étaient recouverts de tramways et puis qu'à la fin ou au milieu des années 30, un choix collectif a été fait et on a tout supprimé partout pour maintenant reconstruire. Si certains doutaient que l'histoire fût un éternel recommencement, vous en avez ici l'illustration. En tout cas, c'est un choix absolument, non seulement audacieux, mais indispensable. Sachez que nous allons, et je parle encore une fois en accord avec l'autorité organisatrice de la ville, poursuivre ces investissements. D'abord, dans la perspective des Jeux, nous avons de prochaines échéances qui concernent cette fois-ci plutôt le métro, avec le prolongement, quasiment le doublement du tracé de la ligne 11, avec une ouverture prévue au début du mois de juin, c'est demain, et le prolongement jusqu'à Orly et jusqu'à Saint-Denis-Pleyel de la célèbre ligne 14. Cette fois-ci, l'horizon visé est la fin du mois de juin, quoi qu'il en soit, avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et sur le tramway, j'en profite pour le dire, c'est un peu plus loin, toujours à portée de main, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année 2024 et en 2025, le renouvellement complet, madame, des rames du T1, qui fut le premier tramway inauguré ou réinauguré, si je puis dire, de l'époque moderne, en tout cas de l'époque contemporaine. Je reviens sur le T3B pour dire, je comptais finir là-dessus, qu'évidemment, le groupe RATP est à la disposition de tout le monde pour boucler la boucle. Je dis parce que boucler la boucle, tout le monde espère boucler la boucle, non ? C'est une formule qu'on connaît tous, voilà. Donc nous sommes ici, porte Dauphine, c'est vrai qu'on peut se tourner vers le pont de Garigliano,
qui évidemment est l'aboutissement, vous le savez, du T3A. Et je pense que finalement, le tramway apporte la conviction par lui-même. Quand on y a goûté, quand on l'a essayé, on le veut. Merci beaucoup. Chef de la représentation de la Commission européenne en France, Madame la Présidente de la Région et d'Île-de-France Mobilité, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, je dois tout d'abord vous transmettre les regrets de la commissaire européenne au transport, Adina Vanian, qui aurait voulu être là mais qui n'a pas pu le faire. Cela m'a donné la chance et le privilège de pouvoir la remplacer et surtout le plaisir de voir ce qui était un chantier en octobre 2023 quand je suis venue la première fois et qui est aujourd'hui une réalité qui apporte une solution de transport urbain propre pour tous. Les mobilités propres, comme vous le savez, sont au cœur de l'agenda européen et notamment de l'objectif de neutralité climatique que nous nous sommes fixés ensemble à l'horizon 2050. À l'origine d'un quart des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, le secteur des transports est incontournable des solutions que nous devons dégager pour atteindre cet objectif de neutralité, qui est aussi un objectif d'amélioration de qualité de vie en matière de déplacement, bien sûr, mais aussi de sécurité et d'environnement. C'est un chemin parfois difficile, on a beaucoup parlé des travaux, des riverains. Aussi, la question des moyens et des accompagnements est indissociable de la poursuite de cet objectif. L'Union européenne soutient ainsi les mobilités propres en investissant dans le rail, le transport urbain plus propre, les pistes cyclables, les interconnexions, la recherche, le développement, en apportant aussi des aides à l'achat de véhicules électriques ou en construisant des bornes de recharge. L'Union européenne conjugue ainsi cap et moyens, ambition et faisabilité pour permettre les transitions nécessaires et c'est crucial de continuer à y veiller dans la durée. Permettez-moi de souligner plus particulièrement l'un des vecteurs des soutiens européens, le vaste plan de relance Next Generation EU, que vous voyez juste derrière moi, qui a été adopté en juillet 2020. D'abord parce que d'ici 2026, il aura permis de financer plus de 70 milliards d'investissements dans des projets tels que celui-ci à travers l'ensemble de l'Union européenne. En France, ce plan de relance européen finance de nombreux projets, plus de 4 milliards d'euros pour la rénovation du réseau ferré en France, y compris et surtout dans les petites lignes, 985 millions d'euros pour soutenir le passage aux véhicules électriques, 900 millions d'euros pour développer les transports urbains et la pratique du vélo. On a vu l'importance des différents modes de transport combinés au long du T3B. Ensuite, parce que ce plan de relance européen est celui qui a directement soutenu ce projet à hauteur de 28 millions d'euros, soit 10% du coût total du projet. Enfin, parce que ce plan de relance européen, il a marqué un tournant dans l'ambition européenne par son volume et par ses modalités d'emprunt en commun et notre capacité à répondre aux impacts de la crise Covid au niveau économique et social. Il est parfois bon de rappeler le chemin parcouru ensemble pour mieux définir les étapes suivantes, rappeler le dépassement A27, que nous avons pu faire face aux circonstances difficiles, mais aussi rappeler que l'Europe est avant tout un acteur de proximité et un partenaire du quotidien. Ici, les Franciliens, les Parisiens, les visiteurs, notamment ceux qui seront présents lors des Jeux Olympiques et Paralympiques, verront leurs déplacements facilités. Pour prolonger cette ligne de tramway, le partenariat et l'engagement collectif de tous les acteurs financiers et opérationnels ici représentés ont été déterminants. C'est une illustration du projet européen qui lui aussi avance au fil des défis pour nous permettre de continuer à tracer notre chemin. Je salue celles et ceux qui ont tous les jours œuvré pour permettre au T3B de nous amener plus loin. Merci. Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et présidente Île-de-France Mobilité. Un grand bravo à tous. Moi, c'est vraiment un cri du cœur. On est à l'heure. Et je sais qu'il y a des Cassandres qui ont dit qu'on ne serait pas prêt pour les Jeux Olympiques. Je vous rassure, les transports seront prêts pour les Jeux Olympiques. Et cette inauguration aujourd'hui en est la preuve. Alors, bravo à tous et merci pour les riverains.
parce que les riverains, ils ont quand même beaucoup souffert des travaux. Je sais que ça a duré très longtemps. Et je sais notamment, principalement pour ceux de la Porte Maillot, partagée entre monsieur le maire du 16e et monsieur le maire du 17e, je sais que ça a été particulièrement dur puisqu'il y a eu aussi les travaux de prolongement du RERE. Mais vous y gagnez au change, vous allez devenir vraiment ce qu'on appelle un hub de transport, c'est-à-dire un lieu où on pourra se déplacer, j'allais dire, de manière beaucoup plus aisée, beaucoup plus facilitée. Vous pourrez aller partout. Et ce tramway, c'est vrai, va changer les règles du jeu des transports dans cette partie ouest de Paris. Alors, les tramways sont plébiscités en Ile-de-France, c'est vrai. Moi, depuis que je suis arrivée, on en avait 8 et maintenant on en a 14. Donc j'ai ouvert 6 nouvelles lignes de tramway Paris-banlieue, banlieue-banlieue. Donc effectivement, c'est un transport qui est plébiscité. Pourquoi? Et vous le verrez, et Anne Hidalgo en parlera certainement, c'est parce qu'il permet aussi de refaire la ville. Un tramway, il est de façade à façade. C'est pour ça que ça coûte si cher. Et c'est parce que ça permet de refaire tous les espaces publics avec. Et ça permet de concilier toutes les mobilités autour, y compris le vélo, la route, les trottoirs, tout est refait. Et tout peut être aussi renaturé. Donc évidemment, quand on fait un tramway, ça change la vie, ça change la ville. Alors, il va falloir continuer. C'est vrai que la région s'est investie dans ce tramway 3B très puissamment. Et je voudrais rendre hommage à certains acteurs. J'ai vu Brigitte Custer pas loin. Est-ce qu'elle est encore là ? Brigitte Custer, qui était à l'époque maire du 17e, on s'est beaucoup battu pour ce prolongement du T3B, puisqu'il devait s'arrêter Porte d'Anières, et on a dit, mais non, il faut que ça aille jusqu'à la Porte Dauphine. Il fallait que ça aille jusqu'à la Porte Dauphine, cher président, cher El Mouloud, nous avions vraiment besoin que nos étudiants puissent venir aussi en transport en commun. Donc, c'était très important. Et puis, on avait besoin de refaire cette Porte Maillot, et d'en faire un lieu vraiment à la hauteur aussi, du Paris du 21e siècle, celui que nous voulons, et puis aussi un lieu d'échange entre la Défense, Neuilly et les Champs-Élysées. Donc évidemment, c'est une immense transformation, ce tramway, et évidemment, il va falloir aller plus loin. Alors moi, je voudrais remercier aussi les financeurs, parce que d'habitude, dans les projets de tramway, la région paye 60%. Là, à Paris, la région ne paye que 30%. Alors je rajoute quand même, hein, parce qu'on l'oublie quand même, mais on achète aussi tous ces magnifiques tramways qui sont superbes. C'est nous aussi, monsieur Castex, comme le président Castex l'a dit, qui payons les 50 conducteurs de plus qu'il va falloir pour le prolongement. Donc on assure toute l'exploitation de ce magnifique tramway. Mais c'est vrai que la ville de Paris est généreuse pour ce tramway, et moi je tiens à la remercier pour cela. Alors il va falloir aller un tout petit peu plus loin. Les deux prochains chantiers, c'est quoi ? C'est le vélo. Nous, on a beaucoup de cyclistes qui arrivent dans Paris, de banlieue, ou des cyclistes parisiens, mais on a besoin aussi de les accueillir. Et on a besoin de leur mettre des parkings vélos sécurisés à la dimension de leurs besoins. Et l'objectif, c'est que vous soyez un peu moins traversés par les voitures qui viennent de l'extérieur. Donc on a besoin aussi de faire ces parkings vélos. Nous avons une proposition de faire 3000 places, Île-de-France Mobilité, de parkings vélos le long du tramway, pour pouvoir permettre aux cyclistes qui arrivent de banlieue de s'arrêter ici, de laisser leur vélo dans des endroits sécurisés, et de pouvoir ensuite prendre soit le tramway, soit le métro. Donc ça, c'est très important. Deuxième sujet, les JO. Vous allez, vous, l'Ouest parisien, être très impacté par les JO, parce que le Parc des Princes, il y aura le foot, Roland-Garros, il y aura le tennis et la boxe, Jean Bouin, il y aura les épreuves de sport collectif, donc il va y avoir quand même beaucoup de spectateurs qui vont venir. Donc j'ai annoncé qu'il y aurait des services de navettes gratuites prises entièrement en charge par Île-de-France Mobilité pour amener les spectateurs des portes de Paris et les ramener aux lignes de métro. Et donc la ligne 1, la ligne 2 pourront être mobilisées en plus de la ligne 9 qui est la seule ligne de métro qui dessert les infrastructures sportives. Voilà, donc ces navettes, elles seront gratuites et elles seront à la disposition de la population pour aider à fluidifier ce qu'on appelle l'axe ouest des JO qui va quand même être très sollicité pendant les Jeux. Et puis la dernière étape, c'est la suite. La suite, c'est le pont du Garigliano. Et bien évidemment, nous avons inscrit
le prolongement du T3B jusqu'au pont de Gare Iglaneo dans le schéma directeur d'aménagement de la région Île-de-France qui va être adopté en juin. Et maintenant, il faut le concrétiser et lancer la concertation sur les tracés. Bref, tout commence, mais rien n'est fini. Mais on est déjà très heureux de cette étape. Et merci encore à tous. Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo. Merci, c'est un immense plaisir que d'être là, d'être aux côtés de toi, cher Jean, de la présidente de la région, du ministre des Transports, de madame la préfète, et puis bien sûr des maires d'arrondissement, des élus nombreux qui sont là, et puis de la Commission européenne, j'y reviendrai aussi. Et vous, vous qui êtes là, parce que finalement, nous sommes là pour célébrer un grand service public. Un grand service public, celui des transports. Permettez-moi de quand même saluer et féliciter Jean Castex et la RATP, qui, je crois, vient de gagner un marché sur la métropole de Lyon aussi. Hein. Donc bravo, bravo, c'est bien. Je suis très heureuse parce que moi, je tiens beaucoup à la RATP en tant que service public. Et je veux lui dire un immense merci parce que nos équipes ont travaillé de concert pour cette réalisation. Alors, cette réalisation, c'est quoi? D'abord, c'est un projet, une vision politique qu'on a portée il y a plus de 20 ans, en 2001, quand on s'est emparé du sujet. Notre équipe, ici, j'y étais, j'étais première adjointe, pas encore maire. Nous nous sommes emparés de ce sujet avec une idée très claire. Faire en sorte que la pollution baisse à Paris et que l'on ait des alternatives à la voiture, ou tout voiture. Et la question du tramway, la solution du tramway était une évidence. Et la deuxième chose qui nous importait aussi, c'était de profiter du tramway pour requalifier des quartiers entiers de Paris, et notamment, d'abord, ce n'est pas le cas ici, nos quartiers populaires qui avaient besoin de cette requalification. Il y a plus de 18 ans maintenant que nous avons inauguré le premier tronçon du tramway pour aller du pont de Gare Iglaneo jusqu'à la porte d'Ivry. Plus de 18 ans. Et ça n'a pas été toujours très simple. Je me souviens que le sujet du tramway n'était pas consensuel. Alors quel bonheur de voir aujourd'hui qu'il est consensuel, qu'on est tous rassemblés pour le porter et pour dire que oui, c'est un projet politique au sens noble du terme, c'est pas un projet partisan, c'est un projet pour la vie de la cité. C'est un projet pour notre vie commune. Et aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour dire oui, cette solution-là est la bonne. À l'époque, nous avons choisi de partir vers le sud et vers l'est, d'abord parce que c'est par là qu'il y avait le plus de quartiers populaires avec une urgence pour les requalifier, et parce qu'ici on n'en voulait pas trop à l'époque. Mais maintenant on en veut et j'en suis ravie parce qu'on va poursuivre. Et donc nous avons requalifié des quartiers entiers. Comment? Eh bien de façade à façade, avec ce transport qui n'est pas polluant, ce transport qui est silencieux. On peut ouvrir ses fenêtres une fois que l'on remplace un flux de voitures par un tramway. On peut ouvrir ses fenêtres. Et puis, nous avions aussi choisi de planter des arbres, d'avoir une plateforme de verdure, parce que ce ruban de verdure, c'est aussi un élément de cette requalification. Et c'est une réussite tout au long de ce parcours. Et ce dernier tronçon est absolument magnifique. Il est magnifique parce qu'on n'est pas dans, ici, des quartiers populaires. On en traverse dans le 17e, on en traverse dans le 18e, on en traverse partout dans Paris. Mais c'est un arrondissement, c'est une partie de Paris qui avait besoin aussi que l'on fasse un peu plus de place à d'autres circulations que la voiture, un peu plus de place aussi à la végétalisation. Et parce qu'ici, nous avons une université avec des étudiants qui viennent, des enseignants qui se déplacent, on le sait, en transport en commun ou en vélo, c'était une évidence qu'il fallait au moins venir jusque-là pour ce tronçon.
Alors c'est une réussite absolument majeure, magnifique, et une réussite aussi du point de vue de sa fréquentation, cela a été dit. Souvenez-vous, pour ceux qui ont encore cette image ancienne en tête, de ce qu'on appelait à l'époque le PC, alors pas en termes politiques, hein, c'était le bus qui permettait de faire le tour de Paris. C'était quand même très très polluant, il y avait beaucoup moins de monde qui l'empruntait. Et aujourd'hui, le tramway des Maréchaux, ce tramway T3, est un tramway qui est utilisé à plus de 65% par des franciliens. C'est-à-dire qu'il joue aussi pleinement son rôle d'intermodalité, de connexion avec nos voisins, ce qui était aussi un des enjeux, permettre qu'il y ait moins de voitures qui affluent vers le centre de notre métropole et le centre de notre ville, et que donc il y ait des possibilités qui soient données avec ce transport qui fait le tour de Paris. C'est un projet que nous avons porté avec beaucoup de détermination, et quels que soient d'ailleurs les contextes budgétaires que nous ayons eu à affronter, les crises qui ont été quand même assez nombreuses, nous avons toujours déterminé une enveloppe majeure sur la construction de ce tramway. C'est pour ça que oui, la ville de Paris a toujours été majoritaire dans le financement de ce tramway, et aujourd'hui 60%. Ça veut dire, mesdames et messieurs les Parisiens, que vos contributions font que ce tramway peut exister, parce que sans ces 60%, eh bien ça aurait été plus compliqué de le faire. En tous les cas, pas avec ce niveau de qualité que nous avons aujourd'hui et de transformation urbaine qui est réelle et ses effets qui sont réels. Je veux dire un mot sur le soutien de la région, évidemment, que je remercie parce qu'il est crucial. La coopération et le travail partenarial avec la RATP, et dire merci à l'Union européenne parce que c'est essentiel. Et moi, j'ai même une proposition à faire à un moment où on va bientôt arriver à un renouvellement démocratique important au niveau européen. Si on veut aller plus vite, plus loin dans les ambitions de transition écologique, alors il faut que les collectivités puissent avoir accès direct au financement qui permettrait notamment d'accélérer les tramways, d'accélérer les transports, d'accélérer tout ce qui peut faire baisser la pollution et tout ce qui peut permettre d'avoir des mobilités douces. Avoir un accès direct au financement serait sans doute une possibilité beaucoup plus grande d'accélération de la transition écologique et d'utilisation à bon escient des fonds de l'Union européenne. Je ne suis pas la seule à porter cette proposition, puisque nous sommes tout un groupe de maires européens, de grandes capitales européennes, à avoir fait cette proposition auprès de la Commission européenne. Un mot pour conclure. Ce tramway va permettre non seulement de vivre mieux, vous avez parlé des travaux, les travaux c'est toujours très très dur pour les riverains, c'est très très dur pour toutes les équipes, c'est très dur pour ceux qui les réalisent. Et permettez-moi de dire, parce qu'ils sont des héros, que nos équipes de la ville, les fonctionnaires de la ville, qui sont notamment ceux chargés de la voirie, des déplacements et aussi des espaces verts, ont fait un travail impressionnant. Je veux qu'on les applaudisse très fort. Applaudissons les fonctionnaires de la ville et les agents de la RATP qui vraiment nous ont permis d'être à ce niveau de réalisation, en temps et en heure. On a tenu les budgets, on a tenu les délais. Et c'est très important de se le dire ainsi, parce que dans des moments où on peut douter finalement de à quoi on sert, à quoi servent les services publics, à quoi sert l'argent public, et bien voilà à quoi ça sert, à améliorer la vie des gens. Alors c'est vrai que les travaux c'est toujours embêtant, mais c'est un peu comme la naissance d'un enfant. Les dames qui ont eu la joie, le bonheur de donner naissance à des enfants me suivront très très précisément. Une fois que l'enfant paraît, on oublie la difficulté de l'accouchement. Et donc c'est aussi
ce qui est là aujourd'hui, cette fête que nous faisons ensemble, c'est de se dire l'enfant est là, on est heureux qu'il soit là, et finalement, on en a peut-être bavé un peu avant, mais là, on va pouvoir en profiter. Profiter de cette ville, de la beauté de cette ville que le monde entier va venir visiter. De cette ville qui va être un espace de fête, de joie. Je vois ici qu'il y a aussi beaucoup de commerçants et leurs représentants, avec les terrasses, avec toute cette joie de vivre qu'il y a dans cette ville et qui va accueillir le monde avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous allons être fiers. En tout cas, moi, je suis très fière. Je suis très fière en tant que Parisienne de pouvoir dire voilà comment on vit, voilà les choix qu'on a faits, voilà les choix très importants que l'on a faits pour faire baisser la pollution et vivre mieux, pour faire en sorte que nos quartiers populaires puissent avoir accès au meilleur. Parce que vous l'avez dit, depuis la porte de la chapelle, magnifique, entièrement rénovée, qui va être aussi belle, parce que nous l'avons voulu comme ça, que les Champs-Élysées ou que le Champ de Mars, on va pouvoir venir en tramway. Les habitants de la Porte de la Chapelle pourront venir en tramway, profiter du bois de Boulogne, qui est aussi un bien commun. Ils vont pouvoir venir avec leurs enfants se promener. Et ça, ça va être aussi de la joie et du partage et de la mixité et du partage de nos espaces magnifiques. Parce que ce qui est beau dans cette ville, c'est quand il n'y a pas de l'entre-soi et du partage. C'est ce que nous allons vivre et envoyer comme message au monde entier avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors surtout, soyez fiers de cela, soyez fiers de ce cadre de vie, restez à Paris pour profiter de cette belle fête, parce que ça va être une belle fête, une fois tous les 100 ans, on s'est battu pour les avoir. Et là, avec ce tramway en plus, je pense que dans la carte de visite de Paris, ça va être un argument de plus pour dire bienvenue au monde entier et merci aux Parisiennes et aux Parisiens. Merci à vous. Monsieur le ministre chargé des Transports, Patrice Berduc. Chère Valérie, chère Anne, cher Jean, cher Premier ministre, messieurs les maire d'arrondissement, madame l'adjointe du préfet, madame la représentante de la Commission européenne, vous qui avez évoqué le projet européen devant une stèle, en hommage à Jean Monnet, comme tout un symbole, et un symbole aussi puisqu'hier j'étais à Bruxelles, à la réunion des ministres des Transports de l'Union européenne, et chère Anne, j'ai fait la proposition que tu viens d'évoquer, d'un renforcement du budget de l'Union européenne sur la question des transports. Nous avons énormément à faire à l'échelle européenne en la matière. Mesdames et messieurs, moi je suis ravi d'être ici aux côtés des acteurs locaux qui ont présidé à la réalisation de cette belle infrastructure à différents titres. D'abord, et ça a été dit, les Jeux Olympiques et Paralympiques, quelle belle chance pour la France, une fois par siècle, de pouvoir accueillir un tel événement mondial. Finalement, nous serons sous les projecteurs du monde entier, regardés par des milliards de téléspectateurs. Et c'est Paris qui sera mis en scène à cette occasion, l'Île-de-France, mais finalement aussi toute la France. Et il fallait être prêt. Et bien sur les transports, et ça a été dit à la fois par Valérie et par Anne, on sera prêt. On sera prêt, les infrastructures sont inaugurées les unes après les autres. Jean l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est le tramway T3B, dans un mois ce sera le prolongement du RER E et dans deux mois ce sera le prolongement de la ligne 14, donc nous aurons largement l'occasion de revenir et le pays sera prêt, l'Île-de-France sera prêt, la ville de Paris sera prête et je pense que c'était ça l'essentiel. Et finalement c'est un plaisir de pouvoir évoquer les Jeux Olympiques et Paralympiques avec Valérie Anne et également avec la RATP, les maires d'arrondissement. Parce que j'ai rarement l'occasion de vous voir ensemble à cette occasion et vous dire que le partenariat entre nos différentes institutions fonctionne merveilleusement bien. Et sans cette union nationale, cette union sacrée nationale, nous aurions peut-être eu du mal à être à l'heure. Mais nous le serons parce que nous avons aussi su nous rassembler au bon moment. Je suis ravi aussi parce que finalement c'est un beau symbole, cette inauguration du tramway, un symbole d'une priorité du président de la République qui est la mobilité du quotidien. Peut-être que notre pays, pendant quelques décennies, a
privilégié la mobilité longue distance avec des résultats, des succès, une certaine fierté quand je pense au TGV que nous avons maintenant, ce Paris-Bordeaux en 2 heures qui est exceptionnel. Mais finalement, peut-être au détriment des mobilités du quotidien. Et nos concitoyens, à travers l'ensemble du pays, le vivent. Et ce tramway ici, en Ile-de-France, il symbolise le retour à une priorité des mobilités du quotidien. Il faut aussi que ça se passe en province. C'est la raison pour laquelle le président de la République a initié ce programme des RER métropolitains qui vont se traduire dans les années qui viennent vers une évolution de la mobilité du quotidien, l'amélioration des conditions de mobilité dans toutes les régions métropolitaines de France. Et je pense que c'est une initiative extrêmement importante qui correspond à la priorité des Françaises et des Français aujourd'hui. Et enfin, peut-être un dernier symbole de ma présence ici, c'est peut-être, une fierté française. Cette fierté française de réussir à chaque fois que nous modifions les modes de transport à faire des espaces publics d'une qualité exceptionnelle. Et je l'ai vu dans de nombreuses villes françaises, ce savoir-faire que nous avons dans notre pays pour faire des espaces publics aussi qualitatifs. Et d'ailleurs, c'est à chaque fois à l'occasion d'un changement de mode de transport. On fait un tramway, on fait la gratuité des transports collectifs. Ici, on développe des pistes cyclables. Et à chaque fois qu'il y a un changement de mode de transport, nous savons aménager nos espaces publics avec une qualité exceptionnelle. Mais soyons fiers de notre savoir-faire français à transformer effectivement des villes. Et je pense que ce que je viens de voir, parce que j'ai eu l'occasion de participer à cette petite balade, en termes de qualité des espaces publics, vous ne pouvez pas trouver mieux. Vous ne trouverez pas mieux. Cette capacité à associer les espaces publics, le végétal, la place du vélo, la place du piéton, c'est exceptionnel. Et on le doit à tous ceux qui y ont contribué. Alors je terminerai simplement par ce mot. Merci à tous ceux qui permettent de développer cette fierté française. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors avant qu'on ouvre officiellement cette ligne, il y a une petite coupure de ruban normalement, et chacun a sa paire de ciseaux. Message rituel, comme vous le dites, dans de pareilles circonstances, qui m'incombe et qui est donc de déclarer ouverte l'exploitation commerciale de la ligne T3B entre donc Porte d'Anières et Porte Dauphine et son ouverture aux voyageurs. Voilà. Vous pouvez le dire. On va avoir l'agent de régulation. Vous pouvez y aller. On peut lancer officiellement le prolongement du T3B. Merci beaucoup. Oui, parce que j'écoutais le discours de M. Castex et il disait ce tramway qui va faire le tour de Paris. Donc là, j'ai réagi en disant non, il ne fait pas le tour de Paris. Et ce que je sais, c'est qu'il n'est pas prévu de terminer le tour de Paris, c'est-à-dire d'aller de Porte Dauphine au Pont Garigliano. Donc ça paraît assez scandaleux, quoi. Donc la décision n'est pas prise, mais non seulement la décision n'est pas prise, mais il semble maintenant y avoir beaucoup d'arguments pour dire il ne se fera pas. Alors je trouve ça aberrant. Moi j'habite dans le quartier, là, tout à côté de ce tramway. J'ai donné donc sur les travaux pendant 4 ans. On a eu le bruit, on a vu effectivement tout le chantier que ça demandait. Mais de dire que maintenant, à la limite du 16e, on ne peut même pas aller dans le 16e avec le tramway, alors qu'on n'a pas d'autre transport pour traverser le 16e, je trouve ça vraiment dommage. Et donc voilà, de laisser le PC, enfin, je trouve ça aberrant. Voilà. Et vous avez remarqué que personne ne s'est engagé dans ces discours à dire que le tramway sera poursuivi. Personne ne s'est engagé. Alors, la mairie du 16e a toujours été contre le tramway. Donc c'est pour ça que non seulement pour le moment il n'est pas dans le 16e, il a commencé dans le sens inverse. Voilà. Et je pense que maintenant on n'entend plus trop le 16e se positionner en tant que tel, mais je pense qu'il doit toujours être contre.
Mais sinon, la ville de Paris ou la région, je pense que c'est surtout qu'il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses. Donc je crois que c'est ça la raison. Enfin, on ne fait pas quelque chose comme ça sans prévoir à plusieurs années. Enfin, moi, je suis tout à fait pour, et je suis dans le 16e, et je suis tout à fait pour. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour. Et comme l'a dit M. Castex, c'est qu'en général, quand quelque chose arrive, les gens sont pour, même s'ils ont été contre avant. Moi, je fais du vélo dans le 16e. Je peux vous dire, je suis parmi les premiers qui faisaient du vélo, surtout qu'on militait pour le vélo dans le 16e, parce qu'il n'y avait aucune piste cyclable dans le 16e. Et donc, maintenant, les gens sont contents d'avoir le vélo. Et vous allez avoir une adjointe du conseil d'arrondissement du 16e qui dit « Ah oui, je voudrais emmener mes enfants dans un vélo cargo, etc. » Voilà, donc maintenant, ils veulent profiter du vélo, maintenant qu'il est là. Mais ils sont toujours contre quand il y a les projets qui viennent. Pas beaucoup de pistes cyclables désertes. Il y a des bus. Il y a plein de vélos. Alors là, vous ne pouvez pas dire ça. D'abord, il faut savoir, si on prend la rue de Rivoli, elle est très très large. Donc effectivement, ça ne remplit pas une route comme une voiture remplit une route. Parce que justement, le vélo, l'intérêt du vélo, c'est que ça occupe beaucoup moins d'espace. Donc, oui, mais ça, c'est un choix qui a été fait par la ville de Paris. Et je l'utilise souvent, cette piste cyclable. Et elle est très très utilisée. Il ne faut pas dire qu'elle n'est pas utilisée. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça a été fait notamment pour réduire la place de la voiture. Donc c'est pour ça qu'ils ont réduit le nombre de voies voitures. Mais il ne faut pas dire à cause de ça qu'il n'y a pas de vélo. Non, ça c'est... Et la rue de Vaugirard, il y a des vélos aussi. Il y a eu des travaux par contre, alors récemment. Donc là, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Mais non, il y a du monde. Et je peux vous dire ici, moi je suis dans le 16e. Et même dans le 16e, il y a du vélo. Et plus les aménagements sont bons, et plus il y a de vélos.